Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 4 au 10 mars. On commence tout de suite, donc voilà, avec je vais commencer avec donc l'oracle du Béline et on va finir avec le tarot de Marseille. Voilà. Donc l'oracle du Béline hein, qui est censé nous parler de solutions dans sa vie, de déblocage de manière générale. Et donc ça je vais le mettre ici. Pour les Capricornes et le tarot de Marseille qui est censé vous donner beaucoup plus de détails. Alors, les Capricornes du 4 au 10 mars. Oh, on a la beauté qui est ressortie, la famille, les nouvelles. Ouais, ça c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors, ce que l'on peut nous dire ici, bon, la beauté bien sûr fait penser à la famille physique, hein, mais peut-être que oui, y a un événement dans votre famille qui fait que vous allez devoir bien vous vêtir, vous habiller, hein, ça c'est ce qui peut ressortir ici. Ouais, j'ai l'impression que ça va être peut-être quand vous allez être dans votre quotidien que vous allez recevoir des nouvelles cette semaine au travail ou quelque chose comme ça, des invitations familiales. Capricorne donc du 4 au 10 mars. On a l'élévation et l'argent. Oui, l'élévation, c'est-à-dire qu'on prend de la hauteur. L'argent, ok, ok. On prend de la hauteur sur quelque chose qui était très toxique et qui était un amour trop proche de tout ce qui est matériel ou argent. Alors ça peut être des personnes autour de vous très matérialistes et c'est vrai qu'il y a une prise de hauteur, alors une prise de hauteur, c'est-à-dire qu'on est protégé, mais on analyse bien sûr les situations. Alors on continue. Et celle-ci, elle est ressortie. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est toxique et qui est lié. Alors l'argent peut représenter aussi le matériel, hein. Mais il y a quelque chose de toxique dans cette ambiance-là. Alors les plaisirs. Donc peut-être que pour moi, c'est vraiment les Capricornes, vous allez réfléchir à tout ce qui est superficiel, hein, d'emblée. Ça peut être des discussions très superficielles, donc si des personnes sont superficielles, ne rentrent pas au cœur du sujet dans les conversations, ça c'est quelque chose que vous ne supporterez pas. On est aussi dans une ambiance où il peut avoir de l'inconstance aussi. Il peut avoir de l'inconstance, ça peut être aussi en vous. Peut-être que vous gardez aussi les choses pour vous et que vous ne supportez plus certaines discussions, certaines choses. Avec la renommée, on peut vous dire que enfin vous allez être libéré. Peut-être que vous n'avez pas vraiment le choix d'être avec ces personnes-là, mais enfin vous allez être libéré, vous allez pouvoir être enfin vous. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a un homme. Alors, l'homme, si vous êtes Capricorne, c'est vous. C'est vous qui allez être libéré parce que vous allez pouvoir reprendre des rênes de discussion qui vous conviennent le plus. Et puis, si vous êtes une femme, vous allez être libérée parce qu'on va vraiment parler d'un homme qui est important dans votre vie. C'est pas forcément sur le plan amoureux, mais avec qui il y aura de vraies discussions profondes. Ça peut parler, par exemple, du fait que pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, vous aviez du mal à trouver quelqu'un parce que, tout simplement, les personnes autour de vous étaient très superficielles. Et justement, là, vous avez besoin, vous, d'être avec des personnes qui sont ancrées, des personnes avec qui il y a des vraies discussions. Voilà, vous pouvez pas faire confiance à des personnes qui parlent de la pluie et du beau temps, etc. Quoi. Voilà, donc ça, c'est déjà un des thèmes. On va confirmer, donc j'ai l'impression que ça va quand même parler d'amour, hein, de relations. On va quand même confirmer avec le tarot de Marseille, sauf si le tarot de Marseille souhaite nous dire quelque chose de plus. Donc pour les Capricornes, du 4 au 10 mars. Il y a beaucoup de cartes qui se sauvent. Comment elles se sont pas retournées, j'ai pas pris la peine de les lire. Alors, on va faire la première découpe ici. On a la justice, d'accord. Ok, ok. Et là, le 9 d'épée. Ok. Alors, il y a une situation, ça peut être justice administrative, qui vous stresse un petit peu. Énormément même. Il y avait le calme, mais c'est vrai que, vous avez le calme, mais il y a des hauts et des bas. Un coup ça va moins.
Et pourtant, on vous dit que, voilà, après la justice, il y a l'étoile, c'est que vous allez retrouver une sérénité. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors, donc ça, c'est une première énergie, on va dire, qui ressort ici. Maintenant, je vais placer les cartes. Je regarde que tout est bien visible dans la caméra, c'est bon. Voilà. On commence tout de suite, parce que c'est le contrat, hein, c'est pour ça que vous êtes sur le tirage. Donc on va voir avec... Donc là c'est vrai qu'on parle d'un état d'esprit avec l'oracle de Béline. Et avec le tarot de Marseille, c'est des faits plus concrets. On peut parler aussi d'état d'esprit, mais bon, c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et c'est vrai que... C'est pas mal avec ces cartes-là. Moi, j'adore le tarot. Donc, 2 d'épée, 5 de bâton, 4 d'épée, 2 de... n'importe quoi, la papesse, 5 de bâton, 4 d'épée, 4 de coupe, 5 de bâton, ouais, ok, d'épée, et l'amoureux, d'accord. Ok, ok. Alors déjà, s'il y a une date qui va être importante pour vous, ça va être le lundi 4. Le lundi 4 mars. Alors. Ouais. Ça va être une date importante. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous gardiez en vous quelque chose depuis longtemps. Il y avait des piliers, il y avait des fondements solides, hein, c'est ce que l'on pouvait voir. Mais c'est vrai que... Ce que vous attendiez, vous, c'est de pouvoir enfin vous extérioriser, enfin vivre votre vie. Vous êtes sage, vous avez appris quelque chose, vous avez appris à avoir de la patience en quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est le moment, presque du printemps, hein, c'est le moment où vous pouvez sortir, mettre le nez dehors et commencer à voir des brides de réalisation concrètes par rapport à vos projets. Ensuite... Pour moi, on va parler quand même d'une journée agréable. Hein. J'ai l'impression que depuis un certain temps, les Capricornes, vous n'osiez pas sortir, vous n'osiez pas affronter le monde, vous étiez très bien chez vous, vous étiez casanier, mais il faut dire aussi que c'était une petite couverture, entre guillemets, pour vous protéger, hein, parce que vous ne voulez pas affronter certaines choses, parce que bon, vous aviez vos raisons. La compétition... Tout ça, ça vous excède. Mais en réalité, ce qui est important pour vous, c'est que finalement, vous deviez vous réaliser. Vous devrez montrer qui vous êtes, vous devrez montrer entre guillemets les dents. Hein, et c'est vrai que jusqu'à présent, vous prenez du recul, vous vous dites toujours, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. On sent que ça y est, il y a un éclaircissement, cette semaine, ça va être le bon moment. Voilà, vous passez à un nouveau cycle où vous étiez chez vous, un peu dans l'ennui aussi, et ça va être le nouveau cycle où, je pense que au niveau de l'amour, ça y est, au niveau de l'amour, peut-être que vous êtes prêt à affronter l'amour. Ce qui est important, c'est que si vous êtes resté longtemps sans avoir à vraiment vouloir vivre une relation amoureuse, vous avez tellement cogité, tellement réfléchi, ou alors tout simplement si vous avez envie de dire quelque chose à la personne de votre cœur, il y a ce fait que vous avez tellement cogité que vous allez avoir les mots justes. Et rassurez-vous, vous allez avoir une personne qui vous est destinée et qui vous apprécie pour votre intellect. Et il y a ce côté intellect encore qui ressort et non superficiel. Pour certains, je pense que vous êtes resté célibataire très longtemps parce que vous ne refusez d'avoir une relation superficielle, clairement. Donc moi, pour moi, à partir de lundi, on va ressentir qu'il y a un déblocage. Alors, vous pourrez avoir des affinités avec des personnes du signe du Gémeaux, hein, pourquoi pas. Bon, ça c'est moins sûr, mais voilà, on va vous dire qu'à partir de lundi, il y a ce déblocage en moins, et ça c'est du positif. Alors, ce que l'on ressent ici, on a quand même une notion où...
Je regarde. Ouais. Il y a cette notion où finalement, il y a un monde autour de vous aussi. Alors ça peut être professionnel, mais très ailé, très, on va dire, très, très compétitif. Des gens qui veulent toujours être de partout pareil. Et c'est vrai que partout pareil, mais je veux dire sur le top, quoi. Et vous, c'est vrai que les Capricornes, vous avez peut-être reçu ces derniers temps une bonne nouvelle au niveau professionnel que vous gardez en gestation, parce que c'est pas le moment de le dire. Et c'est vrai que bah, il faudra vous attendre un peu de la jalousie, des réflexions un peu méchantes, parce que les personnes ne vont pas comprendre. Quand vous allez dire qu'est-ce que la bonne nouvelle professionnelle, on va croire que vous avez gardé ça secret, alors que tout simplement, oui, vous avez gardé ça secret, mais c'est pas contre eux, c'est parce que tout simplement, c'était quelque chose qui ne devait pas être dit de façon générale. Et on sent quand même une petite victoire sur ce domaine-là, et ça c'est du positif. On sent que ça fait un petit moment que vous êtes aussi dans un état d'esprit casanier. 4, 5, 6, ok. Vous êtes dans un état d'esprit casanier, vous en avez marre de rester chez vous, etc. Vous avez besoin de sortir. Et c'est vrai que... pourquoi? Parce que tout simplement, vous cogitez beaucoup trop. Là, votre esprit, il était en effusion. Plus vous restez chez vous, plus vous étiez dans la cogitation. Donc, ce que l'on comprend, c'est que ça va être le moment de ressortir et de faire de l'amour aussi une priorité. Si vous êtes en couple, ça va être le moment... De faire des vraies choses en couple sans réfléchir, d'être un peu plus dans la surprise en fait, hein, tout simplement. On a plusieurs personnages, la papesse, la reine d'épée et les amoureux. Donc qui dit personnage dit conversation, en tout cas une conversation importante. Pour moi, vous allez enfin ressortir sur le devant de la scène. Vous allez enfin aussi assumer une relation sentimentale qui, depuis longtemps, est restée en suspens. Vous allez enfin vous affirmer et vous vous en fichez pas mal du regard des autres. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer l'amour cette semaine. Si vous osez aussi dire les choses. Il ne faut pas avoir honte. Si vous n'êtes pas superficiel, vous êtes intello, voilà. Il ne faut pas avoir honte de, ou complètement, on va vous dire, vous êtes farfelu, vous avez des théories un peu cheloues. Il ne faut pas avoir honte de parler avec votre intellect aussi. Le cœur et l'intellect, parce que vous avez vraiment une personne qui va vous admirer pour cette intelligence. Donc, ça peut débuter, l'admiration c'est au début, puis après, bah, ça peut, pourquoi pas, débuter sur une jolie histoire, hein, tout simplement. On a deux arcanes majeures, on a la papesse et les amoureux. Alors, qu'est-ce que j'aurais avec la papesse et les amoureux? Parce que c'est les arcanes majeures, ce sont des faits majeurs qui doivent arriver ici dans votre vie. Alors, il est possible que si vous êtes célibataire depuis longtemps, il y a une personne qui fait, entre guillemets, semblant d'être votre ami, ou qui est votre ami, mais je veux dire qui espère plus. Cette personne... il est possible que si vous sortiez de votre cocon, cette personne sorte aussi de son cocon et exprime de l'amour pour vous. Ça va être étonnant, mais c'est quelque chose qui arrive ici. La clé, c'est la dame d'épée, la reine d'épée, c'est pareil. On sent que, voilà, n'y allez pas par quatre chemins. N'allez pas par quatre chemins, n'avez pas peur de, on va dire, de votre caractère en amour. Vous vous aimez, vous êtes passionné, n'ayez pas peur d'être dans la passion, d'être dans l'extravagance, voilà. Assumez-vous parce que vous êtes une personne qui est une personne de tête, un leader, donc vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a du caractère, du peps en face de vous. Donc ne soyez pas une personne qui n'est pas, qui, on va dire, qui doit suivre des diktats ou qui veut suivre, on va dire, qui pense par exemple, j'ai trop de caractère, je trouverai pas l'amour, il faut que je fasse la potiche, non. Soyez qui vous êtes, voilà les Capricornes. Et je parle aussi pour les hommes et les femmes, hein. Vous pouvez inverser, bien entendu. On va regarder, donc, parce que j'ai 5 cartes de Béline et 5 cartes de Tarot, donc avant de finaliser, on va quand même les associer entre elles, ces petites cartes, hein, voir un peu ce qu'il en est. Alors, les plaisirs au-dessus de la papesse. Il est certain que vous êtes très rigide avec vous-même. Vous êtes très sévère depuis ces derniers temps avec vous-même. Vous vous refusez tout plaisir. Et c'est pour ça que pour certains, vous êtes à fond dans le travail. Alors c'est peut-être aussi pour certains que vous avez commencé à gravir des échelons parce que vous avez privatisé, priorisé le travail en premier, par exemple.
les pourparlers au-dessus du 5 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression que finalement, vous allez pouvoir montrer votre vrai caractère, votre vrai « qui vous êtes », entre guillemets. Et ça va étonner plus d'un. On a... Alors ça, c'est voilà, les plaisirs. Donc ça, c'est vrai que vous aimez la discussion. Vous aimez quand tout le monde n'est pas d'accord, les débats. Et c'est vrai que vous allez débattre avec des personnes. Il y a des personnes qui pensaient que vous étiez trop rigide ou trop neutre. Et là, c'est vrai que vous allez vous débattre pour quelque chose qui vous plaît. Ça peut être aussi un amour, mais il y a quelqu'un en tout cas qui va être charmé par vos paroles et qui va vous voir d'une autre manière. Ça, c'est important. Voilà. Au-dessus de la reine d'épée, on a l'inconstance. Donc là, ce qui est important aussi à signaler, c'est que pour moi, il y a une nouveauté. Il y a de la nouveauté dans l'air, il n'y a pas de débat possible. Il faut parler avec le cœur ici. Pour certains aussi, le fait de vous dire « je suis heureux et heureuse célibataire, j'ai pas envie de faire de famille, j'ai pas envie d'agrandir ma famille, etc. », ça, c'est fini. Ça va être derrière vous. Maintenant, c'est vrai que cette semaine, la priorité, ça va arriver avec vous, mais ça va être l'amour, hein, l'amour tout court. Et c'est vrai que il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, et on va dire, avec la présence de la carte de la renommée de Jupiter, on va dire que Cupidon va frapper, on va dire, va se concentrer sur vous cette semaine pour que vous soyez heureux en amour. Alors... J'ai l'impression qu'il y a un tête-à-tête avec une personne. Alors, on a l'étoile de l'homme et les amants. Donc, ici, on a clairement un tête-à-tête avec une personne. Et j'ai ce sentiment aussi que vous vous rendez compte que, finalement, c'était cette personne qu'il vous fallait dans cette vie-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici, qui est agréable. Cette personne, en plus, vous savez qu'elle peut plaire un peu à votre famille. Il y a quelque chose qui est lié. Il y a l'éducation, puis... peut-être que ça fait longtemps que vous êtes amis et puis vous vous rendez compte que tout est lié pour que vous soyez ensemble à ce moment-là. Donc on peut parler quand même d'une très jolie histoire. Voilà, en tout cas, pour moi c'est même une relation, j'ai envie de vous dire, flamme jumelle. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé à éclaircir certaines situations. Et à la semaine prochaine !